Eh bien, les chevaux de l'écurie Amarcy Audial retrouvent le goût de la victoire. Et regardez le sourire sur les lèvres de Amarcy Audial, entraîneur, puisque Moonrise Sensation vient lui aussi d'ouvrir son compteur. Petite surprise peut-être, le cheval monté sur la distance. Et aujourd'hui, eh bien, il a sorti une belle accélération pour être le premier sur la ligne Amar. Oui, c'est bon, c'est bien sorti. Citro Rashley, premier 1000 mètres avec des clairs. Et moi, pensais ça aujourd'hui sur première ligne, remise 3 kilos, il n'est dit beaucoup. Écoute, c'est une victoire. Bien content de voir un propriétaire. J'ai investi beaucoup à l'écurie, en testillois. Pradip avec son madame, tu es étonné quand vous descendez dans la piste. Bon, bien content pour vous. Une victoire, c'est une victoire. Une victoire, je vous joue l'anniversaire motivé aujourd'hui, il y a 7 ans. Et madame pas là, il prend une halle promenée, mais espérez, voilà, vous content. Alors, sur là, tu montrais des signes de progrès depuis quelques semaines, Amar. Il travaille bien, il tient un peu one pace, je pensais 850 mètres inédit. Et comme on me dit, première ligne, remise 3 kilos, et le silo ball, all the way, and dream race, et il fait une bonne accélération en ligne droite. Ah, c'est bon. C'est bon pour l'avenir. Alors, pour le reste de la journée, que peut-on s'attendre du côté de l'écurie Amarcy Audial? Écoute, Budapest, c'est très bien, deuxième ligne. Tout le temps, il y a une septième, neuvième ligne. C'est un écho du sprint. Il y a une chance. Mais des trois bons chevaux, Charles Litton, Nottinghamshire, c'est un écho assez ouvert. J'espérais la chance d'un côté. Eh bien, on espère aussi, Amar. En tous les cas, bravo. La troisième victoire de la saison, ça fait plaisir après les moments difficiles de début de saison. Très difficile. Merci beaucoup. Merci Amar, bravo. Donc voilà l'impression de Amarcy Audial, troisième victoire, donc avec Moonrise Sensation qui ouvre son compteur sur ce 1850 mètres en causant, messieurs, certainement une petite surprise.